Oh, bonjour la famille. Toujours, toujours dans les bons. C'est moi, Guilmas, encre correcteur, bic rouge, ange de lumière. Organisation, yaba analyse, et ton diawa. Partagez la vidéo, commentez la vidéo, likez si vous aimez la vidéo, partagez. Et puis, si tu ne t'abonnes pas, tu es mauvais. Naibisakibino, qu'est-ce que je vous ai dit dans la vidéo avant-hier? Je vous ai dit quelque chose. Au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Fally Ipupa, c'est un hypocrite. Fally Ipupa, c'était un hypocrite au 100 degrés. Vous avez écouté les audios de Ken Piana, n'est-ce pas? Maniqué, manipulé par Bouboule Yondela. L'Ikonzi protège. Tellement qu'ils ne s'attendent plus avec Koffi Olomide. Bouboule Yondela, il est devenu main droite de Fally Ipupa. Ils sont devenus des amis. Vous voyez bien, bien. Les gens qui ont été au stade des martyrs savent de quoi je parle. Ils sont devenus des amis. Maintenant, Fally Ipupa, tellement qu'il sait que si les gens parlaient de lui, il risque d'entrer dans les problèmes. Alors, il veut se retirer. Yango Lobaki, que personne ne parle à mon nom. Tous les gens des F victimes qui se retirent. Puisqu'ils savent qu'il a déjà créé une bombe à l'extérieur. Il a créé déjà un missile à l'extérieur. Lui avec Bouboule Yondela. Ils se sont organisés. Ils ont fait un plan pour détruire Koffi Olomide. Puisque Fally ne s'attaque pas avec Koffi Olomide. Bouboule Yondela ne s'attaque pas avec Koffi Olomide. Alors ils se sont ligués. Ils sont devenus des meilleurs amis ces derniers temps. Maintenant, les deux là, se sont arrangés. Sont programmés, ils sont organisés comment ils vont attaquer Fally Koffi Olomide. Tellement qu'ils savent que, ils savaient bien que Koffi Olomide était déjà divorcé. Ils le savaient bien puisque Aliya, moi, la femme de Koffi Olomide, l'ex-femme de Koffi Olomide, l'ex-maman Mokonzi à Koffi Olomide, ex-grande dame à Koffi Olomide, elle est camarade à Nana Ketchup. Ce sont des amis. Natia photo déjà, vous avez vu ça. Et puis, ces deux-là, ce sont des amis de Eliane Nitu. Vous voyez les triangles. Eliane Nitu, Aliya, Gomoro. Ils se sont associés avec Fally Ipupa, camarade de l'Ikonzi protège. Ils ont utilisé une femme maniquée pour détruire Koffi Olomide. Vous voyez les triangles magiques, les triangles de la mort, les triangles de la destruction, juste pour attaquer Koffi Olomide. Ils savaient bien que Koffi Olomide était divorcé. Il vivait maintenant avec la première dame, la femme selon le cœur de Koffi Olomide du moment, Cindy Lecœur. Tellement qu'ils savent que toucher Cindy Lecœur, ça sera toucher Koffi Olomide. Ils savent bien que Koffi Olomide, il commence à vieillir, il commence à devenir faible. Ils veulent utiliser maintenant, comme ils ne sont pas capables d'utiliser Koffi Olomide physiquement, de les déstabiliser physiquement, ils vont commencer à toucher le cœur de Koffi Olomide. Ils ont commencé à utiliser. Je vous ai toujours dit, il y a des femmes qui n'ont pas de cœur. Maman Aliya, le monsieur que tu veux utiliser, que tu veux tuer mentalement, moralement, spirituellement, tu veux qu'elle soit crise, qu'il pique crise cardiaque. À un moment donné, le monsieur là, tu as fait quelque chose du bien dans la vie. C'est toi qui as demandé le divorce, ce n'est pas lui qui a demandé le divorce. Maintenant, vous les gens qui jugez Koffi Olomide chaque jour, posez-vous des questions. Pourquoi Koffi Olomide a commencé à toucher les femmes à public? Posez-vous des questions. Pourquoi Koffi Olomide a commencé à faire des bisous à Cindy Lecœur à public? C'est qu'il y a une cause derrière ça.
toute réaction a des actions. Est-ce que ce n'est pas comme les femmes veulent toujours être victimes, veulent se victimiser chaque fois dans les affaires? Est-ce que ce n'est pas Maman Alia qui veut se victimiser et faire passer Koffi Olomide comme une mauvaise personne? Ça, c'est une question, je n'affirme pas. Ce sont des analyses qui sont organiques. Maintenant, tellement que ils savent que Koffi Olomide n'a qu'un seul choix, Cindy Lecaire. Maintenant, ils veulent viser, ils veulent détruire Cindy Lecaire, puisqu'ils savent si ils attaquaient Cindy Lecaire, Koffi va venir réagir. Ils savent bien si ils attaquent Cindy Lecaire, Koffi va vraiment péter les plombes. Ils le savent bien. Maintenant, les réactions de Koffi Olomide, c'est quoi? À ceux qui ont vu, après la vidéo de Cindy Lecaire, nous avions vu Koffi Olomide chez Virginie Manganga. Koffi Olomide attaque intellectuel. Il a vraiment joué, il a bien suggéré tout ce qu'on dit sur lui et tout ce qu'on fait sur lui. Tellement que c'est un homme intelligent. Il sait qui sont les cibles. Il sait qui sont les ennemis de Koffi Olomide. Les ennemis de Koffi Olomide, on ne peut même pas aller à droite ou à gauche. C'est l'icône qui protège le Boubou Liondela, ami de Fally Poupa, mari de Nana Ketchup, camarade de Alia, ami de Eliane Nitu, qui fait insulter Koffi Olomide sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez compris les messages? Je ne vais même pas entrer en détail. Ceux qui ont des oreilles pour attendre, ils ont compris directement. Mais les gens qui vont souffrir dans l'affaire ici, ce n'est pas Eliane Nitu, ce n'est pas Koffi Olomide, ce n'est pas Fally Poupa, ce n'est pas l'Ikonzi Protège. Ces gens-là, ils n'ont aucun lien familier avec Fally Poupa et avec Koffi Olomide. Ils n'ont aucun lien d'amitié avec Koffi Olomide. Les gens qui vont souffrir, même si vous vous liguez contre Koffi Olomide, les gens qui vont souffrir toujours dans ça là, Didi Stone, on va l'appeler orpheline, et tous les enfants. Aujourd'hui, ça peut être bon quand vous voyez Koffi Olomide en train de souffrir, en train de craquer. Nous là, on ne sera pas là après une semaine, deux semaines. On va aller dans d'autres bases. Quand quelque chose chauffe d'autre côté, nous allons partir là-bas faire des émissions, des analyses. Mais ce qu'on va laisser derrière nous, ça sera la mort, le désastre, le pire. Didi Stone, nous on ne sera pas là quand Koffi Olomide aura des problèmes. Nous allons seulement parler. Mais c'est toi qui vas sentir les coups de perdre un papa. Si ça n'était jamais arrivé, ne le veux pas aujourd'hui là. Laisse que ton papa meure à paix. Sois toujours à côté de ton papa. Le moment où ton père a besoin de toi, c'est ce moment-ci. Tu ne dois pas être seulement affaire de Alia, tu dois être affaire de Koffi Olomide aussi. Quel que soit le bien, le mal que Koffi Olomide fait sur les réseaux sociaux, tant qu'il est ton père génitaire, tant qu'il est ton père, ne suis pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux, puisque ils ont leur papa, ils ont leur père, ils ont leur vie. Toi, ton père et ta vie, c'est Koffi Olomide. Pas seulement toi, que ce soit Minou Olomide, Alia, elle peut partir. Un homme peut marier toujours d'autres femmes. Si ça ne marche pas, ça va partir. Mais on ne peut pas changer un enfant. Et un enfant ne peut en aucun cas changer un père. Vous êtes liés à vie. Oh, je ne t'ai pas dit. Moi, je t'ai dit parce que je t'aime trop, dit Stone Olomide. Je t'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu sois dans le cas de la femme comme Eliane Nitu. Une femme qui n'a pas d'humour. Comment on dit le français là, à foutre? Une femme qui n'a pas de remords, c'est ça le mot. Une femme qui ne cherche que sa gloire sur les réseaux sociaux. Une femme qui ne cherche que de visibilité sur les réseaux sociaux. Tu penses qu'elle a besoin de toi? Mais je te dis, elle a besoin de tes nouvelles pour faire marcher sa chaîne. Elle a besoin de l'argent. Dès que tu lui donnes des informations, elle balance les réseaux sociaux. C'est vous qui souffrez. Elle gagne. Vous souffrez. Elle gagne. Vous souffrez. La réalité est que
Kofi Olomide, c'est un leader charismatique. Un homme qui a beaucoup fait dans votre vie, que ce soit Alia. Boubou Liondela, Kofi Olomide a fait beaucoup de choses dans ta vie. Kofali Poupa, Kofi Olomide a fait beaucoup de choses dans la vie. Parmi vous trois que j'ai cités là, que quelqu'un puisse m'amener des réseaux, des preuves pour dire que Kofi n'a jamais évolué dans leur vie. Alia, on t'a amené en Europe, on t'a donné tout, on t'a donné maison. Tu devrais être une fille que reconnaissante. Tu n'es pas la femme. Les gens qui m'ont dit que je ne connais pas les femmes. Les femmes seules en Europe, il y en a beaucoup. Je connais. Alia n'est pas femme seule. Alia n'a même pas de petits affaires. Il y a des femmes seules. Il y a femmes seules et femmes seules. Imaginez-vous, femme seule avec un monsieur qui n'est pas comme Kofi Olomide, un monsieur normal qui va au travail de manufacture chaque jour, qui quitte sa famille. La femme là qui va souffrir maintenant, il n'y a pas d'argent, c'est elle qui va souffrir, nourrir, élever les enfants, nourrir les enfants. Ça, c'est femme seule. Ali, elle ne veut pas faire ça. Ali a dit Didistone, elle compte sur Didistone. Didistone va amener l'argent à la maison. Les enfants sont tous presque majeurs. Elle n'est même pas femme seule. C'est elle qui a voulu être femme seule. Ce n'est pas Kofi qui a poussé Ali à être femme seule. C'est Ali qui a voulu être femme seule. Donc elle a des réseaux derrière cette décision-là. Boubou Liondela, Kofi t'a fait connaître dans la communauté. On ne te connaissait pas. On ne te connaissait pas. Kofi t'a chanté chaque fois et il t'a propulsé dans la communauté. Il faut être reconnaissant dans ça. Tu veux avoir seulement que pour un petit rien, tu veux détruire l'homme qui t'a donné quelque chose dans la vie. Mais des messieurs, un monsieur comme Kofali Poupa, je n'ai même pas beaucoup à dire sur lui. Lui-même, là où il est, là où il va, il s'assoit aujourd'hui, il sait que 50%, c'est la force de Kofi Olomide. C'est grâce à Kofi Olomide que nous avons connu Fali Poupa. C'est grâce à Kofi Olomide que Fali Poupa est parti en Europe. Le premier passeport de Fali Poupa, c'est du quartier latin. Quartier latin, c'est de Kofi Olomide. Pour aller en Europe, il fallait que Kofi Olomide donne de l'argent, paye de l'argent pour Fali Poupa. Pour présenter Fali Poupa en public, il a fallu Kofi Olomide qu'il soit là. Pour faire son premier album, c'est Kofi Olomide qui lui a donné l'album et les musiciens. Pour que Kofi Olomide Fali Poupa soit Fali Poupa, il a fallu qu'un Kofi Olomide soit là. Mais l'ingratitude, comme il est toujours, l'ingratitude est une partie de la vie quotidienne des Congolais. Fali Poupa se permet chaque jour, pas seulement aujourd'hui, chaque jour, chaque fois, il se permet de tenter toujours à déstabiliser Kofi Olomide. Kofi Olomide peut l'appeler mon fils. Je l'ai fait. Mais tellement que Fali a un mauvais cœur. Il y a des fois Kofi Olomide, il vient toujours sur les réseaux sociaux dire nous avons besoin. Kofi a dit seulement je vous ai montré au public. Toi aussi, montre-nous des petits affaires. Ça a créé des problèmes. Les gens ont insulté. Pendant qu'il ne dit que des réalités, il ne relate que des faits réels. Mais tellement que les réseaux sociaux congolais est bourré des fonctionnaires de Fali, tout ce que les gens disent, ça n'a jamais été bon. Il faut que ces gens-là viennent contredire juste pour faire plaisir à Fali Poupa. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui Fali Poupa en train de dégraissir. Il n'évolue pas puisque tout ce qu'il fait est bon. Les gens n'ont même pas le temps de juger les actions, la musique de Fali Poupa. Tout ce qu'il fait, les gens pensent que c'est bon. Pendant que nous qui avons les yeux, les vrais yeux, nous voyons les choses autrement. Et nous avons toujours dit que Fali, il est en train de tomber comme Lucifer. Il est en train de tomber comme Lucifer. Il ne comprend pas. Aujourd'hui, Fali commence à prendre conscience qu'il ne fait plus de la bonne musique. Je l'ai toujours dit. Et je continue toujours à le dire que Fali, il a dégraissé. Aujourd'hui, les gens commencent à me donner raison. Ça, c'est autre sujet. Bye.